Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'édition de TV Plus Madagascar, dont voici tout de suite les titres pour ce soir. Pour son prochain mandat, le candidat numéro 3, Andra Dzuena, s'est lancé comme nouveau défi de devenir le champion de l'accès à la lumière pour tous les foyers dans toute l'Afrique. Le grand bâtisseur en Afrique a promis la distribution de kits solaires et de plaques solaires gratuits aux foyers malagas qui n'ont pas encore accès à l'électricité. La population du district de la Languine sera parmi celles qui bénéficieront de ces kits solaires, a encore promis le candidat numéro 3. Les palettes contenant les équipements électoraux, tels que les bulletins uniques et les PV procès-verbaux de dépouillement, ne seront ouvertes que le jour de scrutin, selon le directeur de cabinet du président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante. En réponse aux dernières allégations de Mundarundef, selon lesquelles il existerait des PV déjà remplis dans la partie sud du pays. Le gouvernement condamne les actions menées par le collectif des 10 candidats qui menacent la stabilité et la vie de la nation. La préfecture de police d'Antananarivo ayant déjà interdit toute forme de manifestation sur la place du 13 mai à Nalakel. Cette nouvelle intention du collectif des 10 candidats est considérée comme une véritable provocation par le gouvernement malagas qui en appelle à tous les acteurs politiques à ne pas aggraver la situation socio-économique déjà précaire de notre pays. Les Beatles sortent ce jeudi 2 novembre une nouvelle chanson enregistrée par John Lennon et mixée à l'aide de l'intelligence artificielle Noël Dane réunie. Une dernière fois, le groupe mythique de Liverpool, 53 ans, après sa séparation. À la une ce soir, question politique. Dans le cadre de la campagne électorale en cours, le candidat numéro 3, Andra Dzuena, s'est lancé comme nouveau défi de devenir le champion de l'accès à la lumière pour tous les foyers dans toute l'Afrique lors de son prochain mandat. Le grand bâtisseur en Afrique a promis la distribution de kits solaires et de plaques solaires gratuits aux foyers malagas qui n'ont pas encore accès à l'électricité. La population du district de la Languine sera parmi celles qui bénéficieront de ces kits solaires, a encore promis le candidat numéro 3. Andra Dzuena a parcouru les districts de la Languine, d'Isanj, d'Ivoibat et d'Ambalavor ce jour, dans son périple pour se faire élire en tant que président de la République, et cela dit-il dès le premier tour du scrutin prévu pour le 16 novembre prochain. Reportage de campagne de Stiavna Doni et d'Ivrasat. Changer la vie quotidienne des Malagasy en apportant la lumière dans chaque foyer, telle est l'ambition du candidat numéro 3, Andra Dzuena. Le passage des dirigeants au pouvoir est éphémère, seule leur action persiste, répète souvent Andra Dzuena au cours de ses meetings politiques. Dans le district de la Languine, le candidat numéro 3 a été particulièrement touché par le fait que de nombreux foyers n'aient pas encore accès à l'électricité. Il est inconcevable qu'en cette année 2023, il existe encore des foyers malagas qui n'ont pas droit à l'électricité, selon ses dires. Confiant de remporter la prochaine élection dès le premier tour, le candidat numéro 3 va prioriser la distribution gratuite de kits solaires et de plaques solaires à chaque foyer qui n'a pas encore d'électricité. Le kit sera composé de 2 ampoules et d'une plaque solaire permettant de recharger également les batteries de téléphone. Le kit solaire sera non seulement une solution pratique et durable, mais aussi et surtout écologique pour les habitants du district de la Languine, dans la région de Haute-Matsiatch, où le soleil est présent toute l'année. Le district de la Languine ne sera pas le seul à bénéficier du programme. En effet, le candidat numéro 3, Andra Dzuena, vise à faire bénéficier tous les districts de Madagascar des kits solaires. Andra Dzuena apportera la lumière selon ses déclarations
devant la population de la Languine. Pour son prochain mandat, André Duel a placé la barre très haut en visant le titre de champion de l'accès à la lumière pour tous les foyers dans toute l'Afrique. Je peux le faire et je le ferai, a-t-il réitéré. Lors de son précédent mandat, André Duel s'est vu attribuer de nombreuses reconnaissances internationales pour son leadership et sa vision pour le développement de Madagascar. Le candidat numéro 3 a même battu des records en termes de construction d'infrastructures de développement, dépassant le Cameroun, la République démocratique du Congo et même l'Afrique du Sud. L'administration Raduel à elle seule a construit plus de 4000 salles de classe. La Banque africaine de développement a reconnu les efforts de André Raduel quand il était au pouvoir et l'a consacré grand bâtisseur de l'Afrique. Ce jour, le candidat numéro 3 a continué sa lancée dans les districts de la Languine, Dissandre et Divouibatou, dans Balavao. Lors de ses prises de parole, il n'a pas omis d'en appeler à un vote massif en sa faveur en cochant le numéro 3 sur le bulletin unique pour qu'ensemble, lui et le peuple malgache, on puisse changer l'avenir de Madagascar. Les palettes contenant les équipements électoraux, tels que les bulletins uniques et les PV, procès-verbaux de dépouillement, ne seront ouvertes que le jour du scrutin, selon le directeur de cabinet du président de la CENI, Commission électorale nationale indépendante, en réponse aux dernières allégations de Mundarundef, selon lesquelles il existerait des PV déjà remplis dans la partie sud du pays. Tous ces matériels de vote sont restés scellés depuis leur expédition d'Afrique du Sud et ne pourront être dépaquetés qu'en présence des membres des bureaux de vote et des délégués de tous les candidats, selon toujours les explications de la CENI. De plus, ces procès-verbaux de dépouillement sont munis de codes-barres que l'on peut identifier et tracer. Face toujours à ces affirmations, la CENI fait appel à ceux qui disposent de preuves sur l'existence de ces PV remplis à l'avance à venir directement auprès de la CENI pour une vérification conjointe. Par ailleurs, la CENI a déclaré que tous les PV seront pris en photo le jour du scrutin pour pouvoir publier le plus tôt possible les tendances de vote. Toujours dans la question politique, la manifestation prévue être tenue par les collectif des candidats sur la place du 13 mai à Analakiel pour ce samedi 4 novembre 2023 est illégal, selon le sénateur Ramanambitana Richard aujourd'hui. Il a déclaré qu'outre le fait que les manifestations sur la place du 13 mai soient interdites, celles prévues par le collectif des candidats ne s'inscrit nullement dans le contexte de la campagne électorale. Il a réitéré que la tenue des élections est la seule voie vers laquelle le pays doit se diriger désormais et que le peuple ne doit pas se laisser distraire par les candidats et autres politiciens mal intentionnés. Propos recueillis par Sibela Ranjemazav sur les images de Fitch Ndjemandar. Toutes les étapes pour la tenue du premier tour de l'élection présidentielle sont en cours de réalisation. Il ne devrait donc y avoir aucun obstacle à son déroulement, affirmé le sénateur Ramanambitana Richard ce jour. De nombreux efforts ont été faits pour que la refonte de la liste électorale se fasse dans les meilleures conditions, comme le stipule la loi relative aux élections, et des formations comme des sensibilisations ont été menées et continuent à être réalisées dans les Fouktan et districts, et cela avant le 16 novembre. Les élections sont la seule voie vers laquelle le pays doit s'engager désormais, a-t-il déclaré. Et la population ne doit pas se laisser détourner de celle-ci par des politiciens mal intentionnés qui veulent changer la donne à leur guise. Eu égard aux différentes crises sanitaires, climatiques, inflationnistes, le développement commence à s'amorcer dans le pays et les efforts qui avaient été déployés seront réduits à néant s'il y a encore une nouvelle crise, selon les explications de ce sénateur. Par rapport à la manifestation que projettent de tenir les 10 candidats ce 4 novembre sur la place du 13 mai, Ramanambitana Richard a clamé sa totale illégalité et a prévenu que les forces de l'ordre ne resteront pas les bras croisés face à la situation, notamment en faisant respecter l'état de droit. Ce que le collectif des 10 candidats envisage de faire ne rentre pas dans le contexte de la campagne électorale, donc les risques de débordement sont élevés, a-t-il dit. Le sénateur Ramanambitana Richard en a appelé au peuple et à l'opposition à cesser toute forme de provocation qui risquerait d'envenimer la situation politique dans sa conférence de presse de ce jour.
Le gouvernement condamne les actions menées par le collectif des 10 candidats qui menacent la stabilité et la vie de la nation. La préfecture de police d'Antananarivo ayant déjà interdit toute forme de manifestation sur la place du 13 mai à Nalakil. Cette nouvelle intention du collectif des 10 candidats est considérée comme une véritable provocation par le gouvernement. Il lance également un appel aux parties prenantes au processus électoral, notamment aux partenaires techniques et financiers de Madagascar, pour qu'ils maintiennent leur soutien à l'organisation de l'élection présidentielle. Récit de Gracia Andjatitwin. Le gouvernement malgache tient à exprimer ses préoccupations face aux actions du collectif des 10 candidats qui tentent par tous les moyens de saboter le processus électoral en cours à Madagascar. En effet, lors de leur rassemblement au Coliseum d'Antsunzumbe, le 28 octobre 2023, ces candidats avaient tenu des propos putschistes et susceptibles d'entraver la bonne tenue du premier tour de l'élection présidentielle prévue pour le 16 novembre 2023, selon le communiqué sorti par les porte-paroles du gouvernement. De ce fait, le gouvernement condamne fermement ces manœuvres menaçant la stabilité du pays et la vie de la nation. Le gouvernement malgache appelle ainsi les acteurs politiques à ne pas compromettre la situation socio-économique de notre pays. Les candidats ont eu l'opportunité de s'exprimer lors de leur marche pacifique sans autorisation à Antananarivo, mais aussi lors des rassemblements au Coliseum d'Antsunzumbe. Leur tentative de se rassembler sur la place du 13 mai à Nalakil, site interdit pour toute forme de manifestation par le préfet de police d'Antananarivo, est un acte de provocation inadmissible. Le gouvernement malgache en appelle à la responsabilité collective pour défendre la souveraineté populaire et le processus démocratique. Il exhorte les parties prenantes aux élections, notamment les partenaires techniques et financiers de Madagascar, à maintenir leur soutien à l'organisation des élections dans le respect du calendrier électoral selon les dispositions de la Constitution. Dans le domaine de l'éducation, les jeunes au milieu scolaire sont de plus en plus exposés aux drogues. D'après les enquêtes entreprises au milieu scolaire par une organisation, l'accès facile aux drogues, mais surtout leurs tarifs abordables pour les jeunes, font que de plus en plus de ces derniers tombent dans l'addiction. Ainsi, des sensibilisations aussi bien au niveau des écoles qu'auprès des parents et une présentation du guide sur le harcèlement en milieu scolaire vont être entreprises dans 60 écoles issues de 4 régions, dont Analamang, Vaknakarach, Wendi Yatsnanan, pour conscientiser et tirer la sonnette d'alarme sur les dangers que représente la drogue en milieu scolaire. Reportage au micro de Mamtina Djambloul sur les images d'Omega Renewzon. Les statistiques émanant d'un centre de désintoxication ont démontré que 80% des consommateurs de drogue sont des jeunes âgés de 16 à 21 ans. 40% de ceux qui s'injectent de l'héroïne ne sont âgés que 13 ans. À part cela, le cannabis est le plus consommé par les jeunes dans la mesure où son prix est très abordable, à partir de 1000 ariar la dose de fumette. 73% des jeunes qui consomment de la drogue sont des fumeurs de cannabis. Selon une étude entreprise en milieu scolaire, le taux des jeunes qui consomment de la drogue ne cesse d'augmenter et la situation ne cesse d'empirer, d'après l'association Imagivu. Les drogues sont en effet de plus en plus accessibles pour les jeunes. Ils sont même commercialisés à proximité des établissements scolaires, représentant un danger immédiat pour les jeunes. Il est ainsi urgent d'agir, d'où la mise en place du projet de lutte contre le harcèlement en milieu scolaire en parallèle avec celle du projet de lutte contre la drogue initié par l'association. Des sensibilisations vont être effectuées dans une soixantaine d'établissements scolaires répartis à travers 4 régions de Madagascar. Plusieurs activités ciblant à la fois les jeunes, les enseignants mais surtout les parents vont être entreprises. Des ateliers de bande dessinée. Alors déjà, dans un premier temps, on va réaliser un film documentaire sur la drogue, sur les mineurs et la drogue, et sur le harcèlement scolaire, et un film fiction sur la prise de drogue et le harcèlement scolaire. Ces deux films, nous allons les projeter dans les écoles, dans 60 écoles, dans 4 régions, donc Analamanga, Atsinananapouen et Faknakarach. Nous avons deux poules, un poule par an, où nous allons
partager le contenu de notre guide, parce que les parents ont une responsabilité dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Ça aussi, ça émane des écoles. Et un autre pôle qui va faire des ateliers de dessin et de scénarios pour que les messages sortent des enfants. Parmi les régions bénéficiaires du projet figure la région d'Analamang, la région de Vaknakaraj, la région de Bouin et la région d'Atsnanan. Le choix de ces régions a été motivé par le fait qu'elles sont les plus exposées aux différents trafics de drogue et qu'elles figurent parmi celles où le taux de consommation de drogue chez les jeunes est le plus élevé, d'après toujours les précisions. Question sport, football, le sélectionneur des Barés, Romuald Rakoutendjabé di Roro, a convoqué 4 nouveaux expatriés pour les 2 matchs des Barés face au Ghana et au Tchad, respectivement les 17 et 20 novembre, comptant pour la qualification au Mondial 2026. Par contre, plusieurs anciens joueurs ont été rappelés, dont 6 joueurs locaux, pour former l'équipe des Barés de Madagascar qui va participer à ces matchs de qualification pour le Mondial 2026. Les détails sur le récit de Romy Armanan. Hier soir, la liste des joueurs sélectionnés pour les matchs contre Ghana et le Tchad a été révélée par le coach des Barias, Poro. Des matchs comptant pour la qualification au Mondial 2026 qui auront lieu respectivement les 17 et 20 novembre 2023. Le sélectionneur malgache avait effectué une mission en Europe après les matchs de préparation des Barias au Maroc en mi-octobre pour la détection des joueurs malgaches évoluant à l'étranger qui pourrait intégrer l'équipe nationale des Barias. 4 nouveaux joueurs que le technicien malgache a convaincu de porter le maillot de la sélection malgache figurent dans la liste publiée par la Fédération malgache de football. Parmi eux, Louis Desmolions, joueur des Barias évoluant en Serie D en Italie. Il y a aussi le joueur de l'Aubagne FC en National 2 en France, Lomé Nandjiatine, qui tient le poste de défenseur central. Le coach Roro convoque également pour la première fois Clément Couturier, milieu de terrain du club luxembourgeois Swift Esperange. Parmi les nouveaux joueurs expatriés de cette liste figure également Kadi Warren, avant-centre du FC à Nancy, en deuxième division française. D'autre part, dans cette liste, on note également le retour des cadres absents depuis quelque temps, dont notamment Ziv Rakout Toirmalal, Silvio Wasiru et Kenji Van Boutou. Thomas Fontaine et Marco Lemarch, qui étaient toujours dans la liste mais absents lors des regroupements, pourraient également signer leur retour en sélection pour ces 2 matchs. Pour ces 2 premières journées des éliminatoires pour obtenir le ticket de participation à la Coupe du Monde 2026, on compte 28 joueurs convoqués. Le sélectionneur a tenu sa promesse en augmentant le nombre d'expatriés par rapport à ses précédentes listes. En effet, 22 joueurs de l'équipe sont des expatriés. Seuls 6 sont des joueurs locaux. Dans le monde, la musique à l'ère de l'intelligence artificielle. Les Beatles sortent ce jeudi 2 novembre une nouvelle chanson enregistrée par John Lennon et mixée à l'aide de l'intelligence artificielle. Now and Then, qui réunit une dernière fois le groupe mythique de Liverpool 53 ans après sa séparation. Reportage de France 24. Ils sont de retour 53 ans après leur séparation. Incroyable mais vrai, les Beatles sortent un nouveau titre avec la participation des 4 membres, même s'il n'en reste que 2 en vie, grâce à l'intelligence artificielle. Tout part d'une maquette piano-voix de John Lennon enregistrée avant sa mort en 1980. Sa veuve Yoko Ono l'a transmise aux autres membres du groupe qui l'ont complétée, mais à l'époque, impossible d'extraire la voix de John Lennon pour la superposer sur le reste. C'est désormais chose faite avec l'intelligence artificielle. Cet homme est le frère de Pete Best, le premier batteur des Beatles, remplacé par Ringo Starr en 1962. Ce nouveau titre le laisse un peu sceptique. Je préfère quand la chose est originale. Je sais qu'il s'agit d'extraire la voix de John et de l'insérer dans ce qui va être la dernière chanson des Beatles. Et je suppose que c'est merveilleux pour les fans. Mais je ne sais pas. Je suis très mitigé à ce sujet. Le titre Now and Then contient la voix de John Lennon, la guitare de George Harrison, les batteries de Ringo Starr et le piano ainsi que la voix de Paul McCartney.
À Liverpool, berceau d'origine des Beatles, les fans sont enthousiastes. Pour une grande fan de Beatles, je crois que c'est l'un plus qui va faire revenir à la vie encore, par exemple, John Lennon. C'est dans cette salle que le groupe a joué pour la première fois. Le lieu comme la ville attire des fans du monde entier, y compris les plus jeunes. Les Beatles ont réussi à se produire dans la plupart des endroits du monde et à avoir des fans partout, de toutes les cultures. Nous avons donc des fans multigénérationnels. Peut-être il y a un grand-parent qui a amené ses enfants, puis ses enfants qui ont des enfants et qui amènent leurs enfants. Donc ça continue de s'étendre. Après ce nouveau morceau disponible ce jeudi, deux compilations du groupe sortiront le 10 novembre. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'à son terme. On se revoit tout de suite dans le journal en version malagasy. Au revoir.